je suis un fidèle à Martial McAdam. Là. C'est comme une thérapie, dans le fond, pour moi. C'est vraiment le summum, tu sais. C'est mieux que le chocolat. J'initie les gens aux arts martiaux. J'ouvre la place à toute la communauté. Ils peuvent venir sans appeler, juste se présenter à la porte. Moi, j'ouvre le local, je prépare le local avec les gens. Puis je donne des idées pour s'entraîner. C'est ouvert à tout le monde. Le plus gros défi de ce projet-là, c'est que je fais pas de promotion. C'est du bouche à oreille. Mon nom, c'est Richard. Ça fait 2 ans que je m'entraîne ici. Ça, c'est spécial, c'est unique comme ambiance. T'sais. C'est différent tout le temps. C'est toujours varié. On a du fun, on a du plaisir. On pousse, chacun son niveau. Peut-être parce que c'est ici que j'ai commencé, t'sais, que moi, t'sais, c'est mettons, je passe 2 semaines sans venir ici, c'est de quoi qui marche pas, là, t'sais, ça fait partie de moi, si on veut. Une thérapie, ça coûte rien en plus. Qu'est-ce que tu veux? J'ai la recette gagnante. Moi, quand j'arrive avec Macadam, j'ôte tout mon bagage de la journée, puis je pense juste à mon entraînement, dans le fond. Bien, il y a un gros lien d'appartenance. Les gens se sentent accueillis au bout, se sentent super confortables, pas de jugement. Tout de suite, une personne va rentrer un petit peu gênée. Les autres vont aller accueillir, vont aller se présenter. Ça, c'est génial. Tous ceux qui sont là, il y a comme un respect pour chaque personne qui est là. Même s'il y en a un qui fait 100 push-ups, l'autre qui en fait 10, les deux, c'est comme « Hey, bravo, tu sais, t'en as fait un de plus, c'est super cool, c'est super le fun que tu sois sorti de chez vous pour venir t'entraîner. » Juste ça, là, c'est génial. Il y a vraiment l'encouragement des uns des autres qui est présent. Je peux pas ne pas trouver de bonnes personnes ici, là, je pense. Je pense que c'était du bon monde. Fait que là, c'est de permettre un espace où est-ce que les gens peuvent se laisser aller, peuvent se défouler, s'ils ont des émotions aussi à cause de ce qu'ils vivent, ils peuvent venir, s'il y a de l'agressivité, vis-le. Pas de la violence, c'est encadré. Tu sais, y a aucun blocage à avoir ici, là. Tu te laisses aller, tu t'es toi-même. Steven, il est vraiment patient. Il a vraiment des bonnes valeurs pour faire ce qu'il fait. C'est toujours intensif avec Steven, c'est ça qui est le fun. C'est une personne qui motive le monde. C'est sûr qu'il faut l'écouter, là, c'est normal. Là. Mais si t'es là pour apprendre, c'est sûr qu'il va être là pour t'aider. T'sais. C'est un gars qui est très exigeant envers lui-même. Puis des fois, que ce soit tous les exercices, que ce soit des ballons ou n'importe quoi, il ne se donnera pas de marge d'erreur. Ça fait qu'à un moment donné, un petit tap sur l'épaule, Steven. Le ballon, là, c'est fait pour le manquer. La boxe, c'est un défoulement total. Tu peux pas penser à autre chose, tu peux pas penser à ton travail, tu peux pas penser à tes problèmes pendant que tu t'entraînes. Tu es focusé totalement sur ton entraînement. À mon travail, on fait de la réduction de méfaits. Et il va y avoir des gens qui vont avoir des réalités un petit peu plus difficiles, qui vont être soit sans logement, soit avec un trouble de consommation, soit ils viennent me demander du dépannage alimentaire. Puis ben moi, à tout ce monde-là, j'offre le projet. C'est à la communauté, c'est pas juste pour un groupe ciblé, c'est vraiment à tout le monde. Fait que là, ça mélange plein de personnes ensemble. L'intervention, des fois, la personne va venir une fois, ça va avoir un impact l'année d'après. Les arts martiaux, je vais aller voir un jour, 2 jours, 3 jours. Puis, durant l'heure qui va suivre, je vais voir des résultats.
ça aide beaucoup. Là. Si je suis rendu, t'es stressé, tu viens fessé dans un sac comme un malade, là. Tu dors bien après. Là. Non, c'est sûr que ça fait du bien, tu sais, c'est... On est là pour apprendre. C'est comme une fierté, dans le fond. T'es fier de ce que t'as entrepris. Je pense que j'ai une relation privilégiée avec les gens. C'est mon devoir de créer un lien de confiance avec eux, d'aller de l'avant, de poser les bonnes questions, de sentir aussi l'énergie. Bon, est-ce qu'ils me laissent? Approcher. Est-ce que le contact physique aussi, hein? On n'est pas habitué. Dans les arts martiaux, c'est que du contact physique. Fait qu'il faut aussi apprivoiser ça. Puis c'est le fun d'avoir ce partage-là ou cette proximité-là avec les gens. Pourquoi je fais ça? Des fois, c'est clair. Des fois, je doute. Mais en même temps, à chaque cours qui termine, je suis tout le temps satisfait. J'aime ça voir le résultat, tu sais, de la personne, de la satisfaction, tu sais. Je m'en vais, je quitte pour aller réaliser un rêve. J'ai donné ma démission à Macadam Sud, puis le projet Martial Macadam va possiblement arrêter si on trouve pas de la relève. J'ai vraiment aimé ce que j'ai fait à Macadam Sud, ce qui a été réalisé. Oui, j'ai un pincement de cœur de le laisser, mais j'espère vraiment que les gens vont se l'approprier. T'sais. Ça a été une super belle aventure.